de la régie du Gulive pour vous montrer un peu l'envers du décor. Bonsoir, est-ce que Kevin est là pour accueillir les Flavel et Netto? Mais oui, je suis là, salut tout le monde, ça va Bastidi? Yes, ça va le Gulive. Effectivement, aujourd'hui, ambiance coupée, décalée avec Flavel et Netto qui seront là pour mettre le feu ici. Ça va l'homme des cavernes? Yes, ok, mon stylo. Yes. On va rire également aujourd'hui avec Ethan et les yeux du net. Évidemment, on va jouer avec qui? Avec la sublime Gaëlle. Ouais, salut les copains, comment ça va? Salut les Gulivers. Alors attention, si vous avez envie de venir jouer avec nous, si vous voulez laisser des messages pour dire dire à Cindy qu'elle est pas belle quand elle fait des grimaces, ça se passe au 01 46 94 92 39 pour vous inscrire au jeu. Vous pouvez aller aussi sur votre blog www.gulive.fr. Et à la maison, si vous avez l'application Gulli, vous aurez droit à tout un tas de bonus grâce au Gubuzz. Et d'ailleurs, le premier bonus, c'est maintenant. Hey, regardez, ambiance coupée, décalée sur le décor avec notre Andrea qui se prépare pour Flavel et Netto là. Bon Cindy, on a une surprise pour vous. Sur la Terre des Dinosaures, c'est un film qui sort en ce moment, que vous allez forcément adorer. On a notre version du live. C'est un peu si Kevin, Gaël et Cindy vivaient au temps des dinosaures. Vous allez voir, c'est génial, c'est du total délire et c'est maintenant. Et alors donc là, tu vas voir, on a une super salle de bain, très très grande superficie, 4 mètres carrés. Vas-y, rentre, je t'en prie. Ah oui, bah, faudrait revoir la déco, hein. On va mettre de la lumière, des couleurs pop, orange, vert, ouais, ce sera bien. Alors, je vais t'inviter à rentrer dans la douche, si tu veux, tu vas voir. Formidable douche, à pression multiple. Enfin, là, elle est où? Bizarre, cette douche, hein. Bah, où je suis? Ah, bah toi aussi, t'as visité la douche? La douche? Mais quelle douche? Oui, c'est une porte spatio-temporelle qui nous a téléportés tous les trois à l'époque de la préhistoire, à l'ère des dinosaures. Ces mêmes dinosaures qui ont vécu à l'époque du Trias, du Jurassique et du Crétacé. Comment vous savez tout ça? Parce que j'ai inventé la porte spatio-temporelle. Et d'ailleurs, Spook a encore la télécommande qui nous permettrait de revenir à notre époque. Oui, cette télécommande. Mais il me faut d'abord une dent de dinosaure pour la faire fonctionner. Nous allons donc en trouver une et nous pourrons repartir chez nous. Oui. Mais pour cela, il faut d'abord trouver des traces. Ce genre de traces, mes petits lapins? Effectivement, c'est une trace intéressante. Mais il faut se méfier de la tribu des Cro-Magnons. Il paraît qu'ils sont... Et cours! Alors, les petits lapins, moi, ce que je vois bien, c'est un petit rideau de perles ici, puis des laits de tapisserie comme ça, de toutes les couleurs, un petit peu orange, du jaune, hein, pour mettre de la couleur, mettre plein de spots comme ça dans la cascade. La couleur, on aime, la couleur pop, avec des bandes vertes fluo. Alors, mes petits lapins, ça vous plaît? Tu vas manger soupe de foie de mammouth. Ah, mammouth. On va y aller, hein. Au revoir. Eh ben, on a évité de manger leur truc, là. C'est vrai que ça avait l'air dégueu. Ouais. Bon, allez, les petits lapins, maintenant, il faut trouver un dinosaure. Plus un geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Qu'on lui arrache une dent, il nous faut un appât. Charlie. Charlie, fais lapin. Quoi? Trempe. Allez, vas-y, mon petit lapin. Ça y est, j'ai la dent. Je vais pouvoir la mettre dans ma machine. Et hop, voilà, ça marche. Et au fait, j'ai oublié de vous dire, ma machine ne fonctionne que pour une personne. Allez, salut! Mais il est parti sans nous? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Manger. Ah non, finalement, c'est vrai qu'elle est bonne, cette soupe de foie de mammouth. Moi, je suis content. J'ai toujours voulu faire Spock. Mon rêve est exaucé. Bah voilà. Et moi, vous me voyez ou pas? Ah oui, où est Gaël? J'espère que vous me voyez à la maison, parce qu'attention, pour les gubeuseurs, c'est maintenant. Et surtout pour vous tous qui arrivent là, c'est énorme, c'est du soleil, de la chaleur, c'est les Flavel et Netto. C'est Brésil et Cap Vert, 6 millions de vues pour leur tube avec Ana Torres. Le suivant, 500 000 en un mois, révélation de cette année. Ils sont là pour mettre le feu, c'est Flavel parti. Et Netto. Vamos, 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 vamos. Eu quero tchou, eu quero tchá. Eu quero tchou, eu quero tchá. Eu quero tchou, tchá, tchá, tchou, tchou, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Viens danser dans mes bras sexy, tout contre moi. Tu es ma beauté des îles, tu le sais, je suis à toi. Tu m'illumines quand il fait beau. Tu sais danser tchou, tchá, tchá.
trop la classe, ton style ne me laisse pas insensible. Comment résister à ton charme bien dansé? Tu m'illumines, j'ai pas de mots. Tu sais chanter tout tcha-tcha. Désolé, ok la miss, mais là j'avoue tu as gagné ce soir. Et où ma danse la sensuelle, un grand lagna j'appego. Mini jupe continue à rendre tous les gens locaux. Où l'on d'autre suit mes pas et ferme les yeux, on y va. In t'en passe tout tcha-tcha, Brésil, Inter ou Bacana. Connais tout pour ta douce la belle. Eu quero tchou, eu quero tcha, eu quero tchou. Neto Butaro. Yeah, my name is Flavé. A subida. Chu, cha, chu, cha. Che, che, casso. Yeah. Flavé et Neto. Génial. Bravo, les gars. Yes. Vous avez mis génial. Le feu, yes. Les gars. Alors, moi, ça n'arrête pas. J'ai des millions de questions. Ça sonne dans tous les sens. Alors, je vais commencer tout de suite avec Thibaut, qui a 9 ans, qui vient de Paris et qui dit « Yo, Flavel et Neto, votre clip « Pedida Perfetta » est trop ouf. Vous pouvez nous apprendre la danse ?» 5, 6, 7, 8. Mettez main là-haut. Ta, ta, ta. À gauche. Ta, 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 ta. Mettez main à gauche. Ta, 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 mettez main à droite, ta, 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 mettez main là-haut, ta, 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 j'aime quand c'est chaud, ta, 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 quand le corps s'échauffe, ta, 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 mettez les mains là-haut, 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 là-haut. Yes, super, génial. Merci les gars. Allez, asseyez-vous. Alors justement, ça c'est quelque chose qui peut marcher sur scène, ça, de faire une choré comme ça devant plein de monde. C'est quelque chose qui vous intéresse? Beaucoup. Oui, bah, oui, bien sûr. Oui. Ça, déjà, la danse, ça fait partie de la musique. Oui. Et de montrer aussi qu'on sait danser, c'est important. Au public. Et alors, du coup, cette scène, elle est prévue bientôt? Vous avez des, une tournée prévue? On a tourné tout l'été, même un peu avant. On continue à tourner dans les clubs, partout en France, hein, même à l'étranger. Et puis, on espère qu'avec Tchou-Tcha-Tcha, ça va continuer. Oh, j'en suis sûr. Toutes les dates sur les réseaux sociaux, évidemment. Exactement. Alors Gaëlle, question des Gulivers. Oui, alors on va continuer avec Rafik qui a 13 ans et qui vient de Nanterre et qui dit « Salut les gars, vous êtes super jeunes. Qu'ont dit vos parents quand vous avez décidé de devenir chanteur ?» Très bonne question. Il nous a dit la même chose quand tu vas à l'école. Va à l'école. Passe ton bac d'abord. Exactement, voilà. Super important. Voilà, et puis ils nous ont surtout supportés, ils nous ont apporté leur soutien. Et c'est ça, ça nous a fait super plaisir. Parce que, on les remercie. Et bien sûr, merci à vous. Merci à nos mamans. Et ben, en tout cas, on vous remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui avec nous. On rappelle que Tchou-Tcha-Tcha, l'énorme tube que vous venez de nous faire, est dispo sur les plateformes de téléchargement légal. Exactement. Et que votre album Seum Tempo est disponible en édition physique et digitale. Exactement. Depuis cet été. Yes. Merci. Merci à vous. Merci, 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 merci beaucoup à tous les deux. Et tout de suite, on retrouve Ethan avec les yeux du net. Salut tout le monde. Salut Ethan. Comment ça salut, va Ethan. Alors, allez-y les gars. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces gros bras? Alors, j'ai des potes, c'est les Flash de la Courneuve. Et Kevin, en ce moment, je te trouve très chambreur avec moi. Et c'est pour ça que je les ai amenés. Alors, c'est qui le plus beau aujourd'hui? Bah, c'est toujours moi, hein. Allez-y les gars. Oh là là. Oh, ok, 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 Ethan. Ok, tu gagnes, c'est bon, c'est bon. Ok, ok, ok. Ok, ok, y'a pas de soucis, t'es hyper beau mec, y'a pas de problème. Ah merci Kevin, ok. Alors je vais commencer par une vidéo qui m'a bluffé. Vous savez ce qu'est le base jump? Non. Et ben en fait c'est un sport extrême qui consiste à sauter dans le vide et à faire plein de figures avant d'ouvrir le parachute. Ok. Et les fous que je vais vous présenter, ah là là, ils sont trop forts. Allez regardez. Ok. Go. Ah ouais. Oh là
toupie au-dessus de Manhattan. C'est à deux. Faut pas être peureux hein, pour ça. Faut pas avoir le vertige comme toi. Oh là là. J'ai plus peur des gros footballeurs que de faire ça. Hein. J'arrive pas à faire ça, moi. J'aimerais te prendre. Oh là là. Ils vont le balancer comme un sac à patates. On le fera un jour, ça, pour le du live. Eh, t'as bien aimé, okay. Kevin, t'as aimé, hein. Ouais, ouais, ça, ouais. Bon, allez, les mecs, quand même, foncez-lui dedans. Alors maintenant, je vais vous montrer une vidéo d'un chat qui ronronne quand on le caresse. Ah, trop bien. Oh, c'est mignon, hein. Oui. T'adores les chatons, Cindy, hein. Oui. Et ben là, en fait, c'est pas un chaton. C'est un gros léopard. Bon, mais par contre, moi, je trouve super mignon à les regarder. Ouais, moi, j'aime bien les léopards aussi, hein. Oh oui, ah c'est trop mignon. Encore quelque chose qui fait moins peur que les grands footballeurs. Ah bah oui, non, c'est, il est mignon, mais il a une sacrée voix. Hein. Oui, et puis il a des sacrées dents aussi. Et des grosses papates. Ah oui, mais c'est mignon quand même. C'est trop mignon. Ah ouais, c'est mignon. Et pour le top 1 cette semaine, bon, vous allez comprendre pourquoi j'ai ramené mes potes. Hein. Alors j'ai trouvé un super plaquage sur le net. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est génial. Allez, regardez, là, c'est chaud. C'est chaud. Je comprends ce qu'ils disent ces gens maintenant. J'ai beaucoup de respect. Waouh, oula. Ah oui, il fout la foule en fait. Il est hyper agile. Oh, génial. Lui, il fait du saut dessus et du football américain. Je ne ferai jamais ça. Oh là là, c'est impressionnant quand même. Hein. La classe. Mais en fait, ils ont des côtes en plus ou comment ça se passe? Parce qu'ils doivent se faire mal quand même. Alors Kevin, t'as aimé? Oui. Alors prépare-toi cette fois-ci à voir un vrai plaquage. Allez-y les gars, là, mettez-vous là. Sur qui là? Bah sur eux. Ah, ça va. Oula, t'es sûr que tu t'attaques pas à trop grand et trop fort? Allez, 3, 2, 1, allez. Wow. Bon là, pour un coup, tu m'as bluffé, Ethan. Alors là, bravo Ethan, hein. Bon alors, je suis pas vraiment rassuré, mais j'ai quand même 2-3 questions. Alors le football américain, on peut en faire à partir de quel âge? Bah, le football américain, on peut commencer à partir de 14 ans. Okay. Et après, il y a une autre discipline qui s'appelle le flag. On peut commencer à partir de 7 ans. Ah, d'accord. Pour les plus jeunes. Et ça, c'est pas dangereux pour c'est une raison? C'est pas dangereux parce qu'il n'y a que des petits rubans qu'on doit arracher aux joueurs. Quand on les arrache, le joueur, il doit s'arrêter. D'accord, ok, super. Donc ça veut dire que vous pouvez en faire même si vous avez moins de 14 ans et ce n'est pas dangereux. Je crois qu'il y a un championnat qui arrive. Vous voulez être champion d'Europe. On vous souhaite tout le meilleur, les garçons. Yes, et merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut, Tan. À bientôt. Enfin, tranquille. Bon, les Gaëlles, maintenant on est entre filles, on va pouvoir jouer. Alors, avec qui on joue aujourd'hui? Alors, d'abord, avant de jouer, j'ai une petite surprise pour les Gubuzzers. Maintenant. Merci et au revoir, pardon. Alors aujourd'hui, on va jouer avec un trio de ouf. Ils ont la patate et j'espère qu'ils ont les bonnes réponses. On va jouer avec Riyad qui a 11 ans, Gwen et Julien qui ont 10 ans et demi et tous les trois viennent d'Ivry. Salut les garçons. Salut les gars. Ça va? Est-ce que vous avez la patate? Est-ce que vous aimez le Gulive? Ouais. Est-ce que vous connaissez les jeux du Gulive? Ouais. Les règles par cœur? Ouais. Les cadeaux qu'on va vous donner? Non. Mais c'est pas grave, c'est une surprise, une bonne surprise. Aujourd'hui avec vous les gars, on va jouer à la chaîne infernale. La chaîne infernale. Au plus tu joues et plus tu gagnes, c'est génial. C'est génial. J'ai dit que la chaîne infernale. Oh yeah. Plus tu joues et plus tu gagnes, mais c'est génial. Ouais, vous dansez bien les garçons. Yeah. Bravo. Encore. Cindy, les règles du jeu de la chaîne infernale. Alors, les règles du jeu. Je vais vous poser des questions sur vos séries préférées. Il va falloir enchaîner un maximum de bonnes réponses pour créer la plus grande chaîne possible. D'accord? Attention, vous répondez aux questions chacun votre tour. Mais si un d'entre vous donne une mauvaise réponse, la chaîne se casse. Attention. Alors, vous êtes prêts? Riyad, t'es prêt? Oui. Gwen, t'es prêt? Ouais. Julien, t'es prêt? Ouais. Ok, on fait un décompte alors, attention. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Dans Littlest Pet Shop, comment s'appelle le hérisson? Russell ou Heinrich? Russell. Bonne réponse. Dans Power Ranger Megaforce, qui est le leader du groupe des Power Rangers? Est-ce que c'est la force jaune ou la force rouge? Force rouge. Oui. Bonne réponse. Dans Samson et Néon,
Pourquoi Néon a-t-il décidé de venir sur Terre? Pour trouver de nouveaux amis aliens ou pour y observer les petites habitudes des terriens? Pour observer les petites habitudes des terriens. Très bien, bien. Bon, on continue. Dans Victorious, qu'apprend-on dans la Hollywood Arts? La cuisine et l'hôtellerie ou le chant et la danse? Riyad. Le chant et la danse. Oui. Dans Monster Buster Club, quel pouvoir Cathy n'a pas? Elle peut déplacer des objets par la pensée ou elle peut mettre le feu à n'importe quel objet. Quel pouvoir elle n'a pas, hein? Mettre le feu à n'importe quel objet. Exactement. Ils sont trop forts. Dans Gawain, comment s'appelle le cheval qui tire sur la Gwen Mobile? Griselda ou Tonnerre? Griselda. Bonne réponse. Ah là là. Dans Monster High, qui est l'intello de la bande? Est-ce que c'est Goulia Yeps ou Cléo Denil? Goulia Yeps. Bonne réponse. Dans Little Pet Shop, quel est le don de Sunil? Est-ce qu'il peut lire dans les pensées ou il a une force incroyable? Il peut lire dans les pensées. Bonne réponse. Dans Power Rangers Mega Force, combien y a-t-il de Power Rangers? 3 ou 5? 5. Oh là là, ils sont c'est trop une forts. Bonne réponse. Mais c'est dingue. Dans Sanson et Néon, de quelle couleur est le chouchou de Gladys? Rouge ou vert? Vert. Ouais. Bonne réponse. Ouais. Dans Monster Buster Club, quelle est la mission de nos 4 héros? Sauver la planète de terribles aliens ou fabriquer un vaisseau spatial pour Gud? C'est un super record. C'est un record. 9 bonnes réponses, les gars. Oui. C'est génial. Que des bonnes réponses. Bravo. Porte-clés, oui. La gourde, Wouhou. Le crayon. Crayon. Yeah. Yeah. Regardez, regardez, regardez si c'est pas génial ça. L'énorme boîte de jeux de Bidaman. Ouais. Et l'énorme boîte de Transformers. Yeah. Vous êtes contents? Ouais. Et attendez, vous savez quoi? On va faire un truc énorme. Viens avec moi. On vous offre quelqu'un d'extraordinaire, une figure du Gulive, une petite folle. On vous offre la Josiane. La Josiane va venir avec vous, chez vous, pour vous divertir tous les matins, vous faire le petit déjeuner. Elle est serviable, elle est gentille. On vous l'offre. Allez, au revoir. Merci beaucoup les garçons, vous avez été extraordinaires. Salut. On vous embrasse très fort, à bientôt. Salut. Bravo à tous les trois, vous avez vraiment été super forts. Aucune mauvaise réponse, ouais. Aucune mauvaise réponse, vous resterez dans les annales de l'émission, dans les annales du Gulive. Alors attention à la maison, si vous voulez relever le défi et essayer de battre ce super record, vous pouvez vous inscrire au jeu. Si aussi vous avez envie de laisser des messages ou poser des questions à vos stars préférées, hop là, vous appelez le 01 46 94 92 39 et vous pouvez aussi taper sur internet www.gulive.fr. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Gulive. Et la semaine prochaine, c'est Noël, donc qui dit Noël dit émission de malade. Ah oui, on aura des cadeaux et rien que pour vous, un cadeau exceptionnel, un invité génial, c'est Olympe. Olympe, on l'adore et on sait que vous l'adorez vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour Noël. À la semaine prochaine, salut tout le monde. À la semaine prochaine.